Bon, eh ben, c'est la septième bataille. J'ai pas eu de nouvelles encore de Pang Tong. Ils m'ont pas oublié quand même. Parce qu'on est quand même rendu à la septième bataille. Hein. Il serait un peu temps. Ah, c'est ça, du coup, la rage permet de faire des attaques prolongées et de faire un mesurage, du coup. Ça, c'est vraiment génial pour les chaos tactiques. L'attaque par le feu. Ça en fait, ça, des chaos tactiques ou pas? Ah bah, je vais la prendre. On va voir. Je suis curieux. J'ai pas eu de nouveau costume, hein, il me semble pas. Bon bah on reste comme ça. C'est parti. Cao Pi and his massive army have crossed the Changjiang and are heading for us here at Jianye. This will prove to be a difficult battle, but I know we can win. You have all served Wu faithfully over the years. Now the time has finally come to decide the victor between Wei and Wu. Go and meet them with all our might. This battle has us leading the attack against the enemy commander. This mission will decide who the victor in this battle is. Our scouts report that the enemy has prepared a large army filled with its best troops. However, the Wu army is afraid of nobody. Victory shall come by our hand. All right, let's get this over with. You and I both live to serve the Wu kingdom. We must find victory in this battle at all costs. Désolé, j'ai coupé la parole de Taishishi, je pensais qu'il avait fini de parler. Du coup, on est dans la bataille finale entre le Wu et le Wei. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que... Enfin, c'est un peu bizarre... Enfin, ouais, ça fait un peu bizarre dans l'histoire. Mais c'est qu'on n'a pas eu d'affrontement avec le Shu depuis un petit moment, et ce qui fait que... Bah, j'ai pas eu l'occasion de mettre en place le plan. Alors du coup, à mon avis, ça va se faire dans la bataille finale entre le Shu et le Wu. Ce qui va être un peu étrange. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est quoi notre objectif exactement, en fait? Ouais, c'est directement d'aller battre Cao Pi, hein. Comme ça... Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, ouais, 140 ennemis, ça me semble quelque chose de jouable. Parvenir à la victoire en moins de 7 minutes, hors de question. 6 officiers KO, j'y crois. J'espère que les flèches font des KO tactiques. Sinon, on l'a dans le cul. Juste histoire de varier le gameplay, je pourrais mettre la flûte de lune. Ouais, le truc, c'est que flûte de lune, ça correspond pas à... J'ai fait quand même plus une guerrière qu'une mage. Si j'avais fait un personnage plus mage ou moins orienté sur quelque chose, j'aurais peut-être pour le quand même pris cette flûte. Mais ouais, je vais éviter. Je vais éviter la flûte. Puis il y a des stats de cul en plus. Nous avons pour objectif de vaincre Cao Pi. Nous perdons si Sun Quan ou Tai Shishi sont vaincus. Avec nous, Sun Quan, Zutai, Cheng Pu, Jiang Qin, Tai Shishi, Lin Cheng, Pan Zhang, Wang Gai, Sun Shao. Contre nous, Cao Pi, Cao Hong, Zhou Shang, Zhou Ba, Cao Ren, Zhou Wei, Zhou Wei, Xu Zhu, Wang Lang. Donc du coup, la bataille finale entre le Wu et le Wei, ils ont un peu inversé, c'est-à-dire que normalement, souvent, ça finit au château de Heifei, et c'est le Wu qui attaque le Wei directement au château. Là, ils ont inversé, en fait, c'est le Wei qui attaque le Wu à Jianye. Du coup, on est sur une map un peu de cul pour une bataille finale, mais
Après, le principe est quand même intéressant d'avoir inversé ça. All right, time to clean up this mess. Let's go. Par où on va dans un premier temps? Moi, je vais par là. Je m'en fous, je vais tuer des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se cachent ici. Ouais, voilà. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il y avait des petits enfoirés qui allaient faire les fumiens, là. Moi, je les laisserai pas faire. Je vais m'en occuper. Là, je le sentais bien, le Sun Quan qui se fait attaquer de toutes parts, là. Pendant que nous, on avance bêtement sur Kaopi. Putain, c'est pas des chaos tactiques. Ah, c'est pas des chaos tactiques. C'est juste extrêmement utile, mais c'est... Du coup, ça sert à rien. Bon bah, j'ai un objectif que je pourrais probablement pas accomplir. Fais chier. Ah, c'est super, par contre. Hein. J'ai juste à faire ça et... Ça, pour le personnage type stratège, ce sera génial. Ma petite Lin Sheng est devenue quand même vachement puissante. Malgré tous les petits échecs d'objectifs que j'ai fait par-ci par-là, je trouve que là, j'ai atteint quand même un bon niveau. Retreat! It's too early for us to surrender just yet. We must pursue them. Now is the time to attack. Mais ferme-la, Taishishi, t'es même pas là. C'est moi qui fais tout le sale boulot. Begin the retreat! It is too early to give up! After them! We shall run them through! Bravo, Taishishi. Je reviens. Merci pour le cheval. Hein. Even the most highly trained troops must rest once in a while. Okay. You saved me. I express my gratitude. Ouais, enfin, t'es... Keep this up. Fall back. Okay. Bon, ce genre de choses peut arriver. Ah putain, c'est dommage. C'est dommage, on n'était pas loin de réussir. En fait, je serais arrivé peut-être une minute plus tôt, ça aurait été bon. Là, ils sont cruels, hein. Si on oublie de sauvegarder, on recommence je sais pas combien de batailles en arrière. Bon. Du coup, ouais, c'est bon, j'avais ma salve. Bon, l'avantage, du coup, c'est que du coup, je vais pas me gourer cette fois. Je vais passer le briefing, on l'a déjà vu, merci. L'avantage, c'est que cette fois-ci, je vais pas mettre de chaos tactique. Je vais mettre autre chose.
Mais je pense que je peux garder ma santé au-dessus de 50% si je gère bien. Et ce qu'il y a, c'est que... En soi, c'était pas si mal que ça d'aller au nord-est. Non, allez, tant pis. Je peux pas. Je peux légitimement pas aller au nord-est. Taishishi est trop mauvais. All right, time to clean up this mess. Let's go! J'essaie de nettoyer cette zone au maximum et après j'irai m'occuper des officiers. Tant pis, je vais les laisser avancer sur Sun Quan, hein. Fait chier, hein. Parce que du coup, je sais légitimement qu'à un moment donné, je vais devoir aller aider le camp principal qui va être dans la merde. Putain, dommage, j'ai gâché... Je pensais trouver autre chose que de la vie là-dedans. Genre une arme ou quelque chose comme ça. Allez, viens. Laisse mes troupes tranquilles, Kaoren. Putain, on avait une base ici, genre à côté du camp principal de Kaopi. La blague. Attention, Taishishi. Putain. J'ai bien vu qu'il allait faire un mezu, là. Putain, on s'arrête pas aussi bien l'un que l'autre, on s'arrête pas dans nos attaques, quoi. On continue à encaisser en mode tank, tous les deux. En même temps, on est équipés comme des tanks avec nos boucliers, là. Ça fait quel effet de revenir sur ce territoire Wang Lang, sachant qu'il ne t'appartient plus. Oh putain de merde, je veux ça. Moi, dès que je vois un capitaine de ravitaillement, j'oublie tout, je prends ça, quoi. Obligé. Du butin. Le mec tellement vénal. Bon, mes troupes l'ont achevé. Par contre, c'est chiant parce que, du coup, comme mes troupes l'ont achevé, avec mon objectif. Mais putain, le stick. Mon objectif. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai 10 minutes par contre pour le faire. Il faut que je tue des officiers rapidement là. It is dangerous to remain here. We must get moving. Et le camp principal, c'est... Vous avez vu ça? Je le savais. Putain, je le savais. The end. So soon? What? This is a most serious matter. All right. I'll leave this one up to you. C'est ta faute, du con. Bon, j'y vais. Sans déconner, en vrai, je devrais laisser Sun Quan se faire buter, faire exprès d'arriver trop tard. Si on était RP, ça serait comme ça que ça se passerait. Quoi.
Après, non, pas forcément, parce que ça rendrait quand même... ça rendrait Kaopi trop puissant, donc c'est pas forcément bien. Retreat! It's too early for us to surrender just yet. Don't let them get away. We have them right where we want them. Putain, mais tu rigoles ou quoi? Retreat! It's too early for us to surrender just yet. Don't let them get away. We have them right where we want. Est-ce qu'il a d'autres officiers sur lui? Non, personne. Je vais vérifier qu'il est bien en sécurité. C'est bon. Ah, regarde, Manchong, tant qu'il est là. Putain, mais les mecs, ils se replient par l'intérieur du château de Jianye. C'est pas normal, ça. C'est complètement con. Mon royaume pour un cheval. Bon, Xinpi. Xinpi, Kaozang. Arrêtez de vous replier par l'intérieur du château, putain! Bande de débiles! Ça fait mal au cul, hein? Des salves de flèches. Ok, bon, on est bien à niveau objectif, il nous reste plus qu'à vaincre, faut qu'il y ait 140 ennemis qui soient vaincus avant la fin. On n'a pas vu Zen... Oh putain, on a perdu une base de ravitaillement. On n'a pas vu Zenji. Je sais qu'elle est sur le champ de bataille quelque part. Elle risque d'arriver. Ah là, voilà. Begin the pursuit. Show them no mercy. J'espère qu'il va se mettre en sécurité. Don't let them get away. We have them right where we want them. Enemy officer defeated. Merci pour le cheval. Allez, c'est parti. Even the most highly trained troops must rest once in a while. Putain, je dois monter à 140. J'espère que j'aurai assez d'ennemis. Il y aura assez d'ennemis sur le champ de bataille pour que je monte à 140. C'est pas sûr. Y'a les ennemis qui se planquent par ici. Y'a personne. Bon bah on va... On va faire un massacre dans les troupes de Kaopi, j'espère qu'il y en aura assez. Ah, il me semble bien avoir entendu ça. Excellent. Des renforts de Kaoxiu qui vont arriver. Ah, bah voilà. Si jamais il n'y a pas assez d'ennemis ici, j'aurai Kaoxiu. Laissez-moi, Taishishi. Il en reste quelques-uns à tuer, là. Allez, plus que 10 soldats. C'est bon, il y a moyen, là. Sans même attendre Kaoxiu. Ha!
de l'être. Oh, j'aime pas ça. Oh putain, non. Juste à la fin, quoi, la blague. Ah, fallait bien que j'échoue un truc, hein. Il me restait combien de temps, juste pour info? J'aurais attendu 25 secondes. J'aurais attendu 25 secondes, c'était bon. Oh, la blague. Putain, ils font mal, quand même. Tiens, forêt. Il se protège. Putain, il est intelligent. Presque intelligent. Oh putain. Ok. Il y avait beaucoup de renforts qui allaient venir. Oh la vache, faut que je m'enfuis. T'as de la chance, Kaopi. Je reviendrai. Au secours. Taishishi, aide-moi. Je sais pas si tu vas pouvoir m'aider. T'as trop d'ennemis autour de toi en fait. Donc même si tu me largues de la vie, je risque de me faire tuer. Putain, il est presque mort, fais chier. Oh, une arme. Retreat. It is too early to give up. Begin the pursuit. Show them. Putain, non, je veux de la vie, je veux pas ça. Je dois fuir. Je dois fuir. Oh putain. Quelle merde. Taishishi, il est derrière moi en plus. Il est trop lent. Dépêche-toi. Vieux cul. Oh, le lieutenant. Oh, je l'ai eu. Non, c'est les troupes qui l'ont eu. Even the most highly trained troops must rest once in a while. Vas-y, donne-moi encore un peu. Merci. Don't say I never gave you any. Enemy officer defeated. It is dangerous to remain here. We must get moving. Retreat! It's too early for us to surrender just yet. We must pursue them! Now is the time to attack! Oh, y'a Kaopi derrière. Ce Kaopi. This enemy is not to be underestimated. J'ai bien vu qu'il fallait pas le sous-estimer, Kaopi. Il fait super mal. Je l'ai eu. Bon, il m'a un peu stressé, mais on a réussi. These were the results that I was hoping for. Sacrée bataille quand même, hein, faut l'avouer. Dommage que j'ai pas réussi à conserver ma santé, mais bon.
avec des ennemis comme ça là, au camp principal, c'était vraiment showtime. Such impressive might. I promise to put in a good word for you for your efforts out there on the battlefield today. Tu me donnes des bâtons ou pas? Ah, il me donne toujours pas de bâtons. Oh, la wyverne bleue. Oh ouais. Bâton de puissance. Oh, trop bien.